Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo morning routine spéciale vacances. Voilà, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je fais pendant les vacances. Voilà, une matinée type. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, en barre d'informations. Donc je commence comme vous avez pu voir par voilà, aérer ma chambre, le lit, etc. Et puis je vais laisser comme ça ouvert le temps de me préparer un petit peu pour me rafraîchir un peu. Donc voilà, ce que je commence à faire, c'est que je mets déjà une petite brume sur mon visage que j'essaye tant bien que mal de faire sécher. Et puis ensuite après j'applique également une eau. Voilà, donc là c'est celle de Garancia en ce moment. Voilà, que je fais un petit peu pénétrer. Je laisse pas longtemps sur mon visage hein, parce que c'est pas très bon pour la peau non plus de faire pénétrer de l'eau comme ça. Donc je la laisse juste un petit peu les actifs rentrer sur la peau, voilà, être dans ma peau et en attendant bah, je me brosse les dents. En ce moment, bah, là j'utilisais un dentifrice qui n'est pas celui que je prends habituellement, mais voilà, comme Evan était parti, n'était pas là, il avait pris le dentifrice. Voilà, je m'éponge un petit peu le visage tranquillement, voilà, tout simplement, et puis bah, après c'est reparti. Je vais refermer parce que ça fait déjà une petite dizaine de minutes que j'ai laissé aérer, donc il n'y a pas besoin de plus. Et puis bah, après, bah, ça va être. Refaire mon lit proprement, correctement, donc voilà, bah, après, tout simplement, hein, faire un lit, je pense que tout le monde sait faire un lit. Ensuite, je vais utiliser une petite brume, bah, vous savez, c'est celle de chez Rituals que j'utilise, voilà. Et donc j'asperge un petit peu, j'en mets un petit peu sur les têtes d'oreiller, sur les draps, etc. Et après, ça embaume toute la pièce et c'est super agréable. Ensuite, bah, là, je vais en profiter, je vais aller à la salle de sport. Hein. Il est tôt, il est 8h du matin, donc 8h15, je crois. Et là, donc je prépare toutes mes affaires, mes tenues que je vais m'habiller, mon sac, et puis bah, go à la salle. Voilà, donc ça y est, tenue préparée, tenue mise, c'est parti. Moi, à ma salle, en fait, j'ai une clé qui me permet de faire les séances sur différentes machines. Donc là, en fait, je vais charger mon programme. C'était ma séance 2, donc c'est exclu que de la muscu. Donc voilà, c'est que des machines de musculation. Donc voilà, j'ai chargé sur ma clé. Et puis, bah, go pour les machines. Donc, je commence déjà par un petit échauffement hein, d'une dizaine de minutes sur le tapis cette fois-ci. Voilà, juste histoire de chauffer un petit peu mes muscles et mon cardio. Voilà, c'est de la marche rapide que je fais actuellement. Ma petite gourde, air up. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, c'est parti. Donc là, je vous montre tout simplement une petite séance classique. Bah là, c'était juste pour les bras. C'était pas facile de filmer d'autres séances. Il y avait quand même un petit peu de monde. Il n'y avait pas grand monde. On était peut-être une dizaine, mais je n'avais pas toujours les moyens de pouvoir vous filmer correctement. Donc voilà, je vous ai filmé juste ça. Et puis, bah, séance finie. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je remets ma clé dans la machine et en fait, je vais aller charger tout mon programme. Je vais valider les machines qui n'ont. Voilà, il y a des machines où on ne peut pas mettre la clé en fait, donc il faut les valider manuellement. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Poulie croisée, bah, c'est ce que vous avez pu voir. Et donc, c'est ce que. Non, tirage, prise inversée, c'est ce que vous avez pu voir. Donc voilà, je le valide manuellement parce que. Il n'y a pas de système pour mettre la clé. Et puis résultat, bah aujourd'hui, voilà, 80%, pas mal, voilà, 300 kilocalories, nickel. Go à la maison pour prendre une petite douche. Et puis après, bah, on attaque un petit déjeuner. Alors généralement, je déjeune pas forcément, vous savez, à part le jus d'orange pressé, c'est tout ce que je prends. Mais là, comme je revenais de la salle, j'avais un peu faim et je me dis que c'est bon aussi pour les muscles. Donc, bah, jus d'orange pressé. Donc, il y avait des petites oranges classiques. Et puis, chez Grand Frais, il y avait aussi celles-ci. Elles sont super bonnes. C'est pas des oranges sanguines, mais c'est un entre deux et elles sont hyper, hyper juteuses. Donc voilà, et j'aime beaucoup la pulpe parce qu'après, du coup, bah, je mange la pulpe. C'est trop, trop bon. Voilà. Dites-moi si vous aimez la pulpe ou pas du tout. Je sais qu'il y a team pulpe et team pas pulpe, tout simplement. Et puis après, bah, forcément, vous connaissez ce petit déjeuner. Je l'adore. Hein, c'est les fameux yaourts au lait de coco que j'achète chez Grand Frais.
Là, j'achète en format individuel, c'est pratique. Une banane que je vais couper en rondelles. Et je vais rajouter également, donc là voilà, je vais mélanger un peu. Et je vais rajouter des amandes, parce que ça j'aime beaucoup. Et voilà, un petit mix, une toute petite poignée d'amandes. Hop, je me prépare mon petit plateau, une poignée, voilà. Il y en a même pas une dizaine. Et puis après, je rajoute mes petits compléments, donc pour les cheveux, vitamine D, etc. Donc voilà, c'est mes petits compléments que je prends tous les jours depuis un mois, et nickel. J'ai pris mon petit déjeuner tranquillement devant YouTube, je vous avoue, voilà, j'ai regardé une petite vidéo YouTube, le temps de déjeuner. Et puis bah là après bah, je me prépare pour faire un peu de rangement, surtout dans la cuisine. Voilà, vous avez vu, il y a pas mal de vaisselle à ranger, etc. Un peu de vaisselle à faire, donc bah voilà, je m'y suis mise. Go go go, rangement, nettoyage un petit peu, voilà, donc rien de. D'extraordinaire, mais bon, ça fait partie, c'est le côté pratique, voilà, quand on travaille pas. C'est quelque chose que généralement, quand on travaille, ben, je fais ça le soir, et ben là, du coup, le fait que je sois à la maison, ben voilà, je fais ça ce matin, et puis du coup, ben, comme ça, toute la journée, la maison est propre et rangée, donc voilà. On enchaîne bien sûr, bah, j'en profite hein, de pas faire ça le week-end. On est en semaine, j'en profite donc pour faire une petite lessive. De toute façon, j'en ai quelques-unes à faire. Donc là, voilà, c'était une lessive de linge. De temps en temps, je vous avoue que c'est pas tout le temps, mais j'utilise les boules, vous savez, qui évitent d'utiliser les boules de lavage, qui permet de pas utiliser de dosettes de lessive. Donc voilà, je mets les petites boules, les petites pastilles pour sentir bon, et puis bah voilà, une petite lessive classique, voilà, tout simplement, puis après que je vais lancer, et puis j'étendrai juste après. Là, j'en profite, Evan va pas tarder à rentrer. Je pense qu'il va rentrer très très bientôt. Mais du coup, bah là, je vais me préparer. En fait, je n'étais pas censée forcément, là c'est les vacances, donc je me maquille pas non plus à chaque fois que je suis en vacances. Mais là, en fait, j'avais une vidéo à tourner parce que j'avais reçu une box. Et du coup, je voulais tourner la vidéo. Donc je me suis maquillée. Bon, je vous montre rapidement, mais de toute façon, c'est toujours les mêmes produits. Hein, donc le fond de teint, là pareil pour les yeux, bah voilà, c'est toujours la même chose. Le clair, voilà, j'utilise trois couleurs. Donc. Rien de nouveau, c'est pour ça que aussi je vous les mets un peu en accéléré, parce que en ce moment je vous avoue que j'ai tendance à utiliser et à faire toujours le même make-up. Voilà. Ou alors je change un tout petit peu les couleurs. Ce petit mascara est plutôt sympa. Hein. Bon bah voilà. Assez connu. Et puis là j'ai voulu mettre un petit gloss repulpant. Voilà, de chez Too Faced. Ensuite je me brosse. Les cheveux, et puis après bah, je me suis dit tiens, je vais me faire quelques petites boucles, sauf que là j'étais un petit peu trop pressée, c'est que je venais juste d'allumer ma petite brosse, mon petit boucleur, sauf qu'il n'était pas encore assez chaud, donc du coup bah voilà, vous voyez que c'est un peu raté. Après ça va beaucoup mieux une fois que le petit fer est chaud. C'est un petit fer, licence, c'est hyper pratique, il est tout petit, c'est un de voyage, voilà. Et bah, des fois quand j'ai la flemme de sortir mon gros lisseur pour faire des boucles, ben j'utilise celui-ci, franchement il fait très bien l'affaire. Voilà, juste surtout pour des petites boucles, je voulais juste donner un petit peu de mouvement au bout de mes cheveux, voilà, tout simplement. Bon, vous allez voir, de toute façon, je vais rattraper un petit peu tout ça, mais c'est vrai que du coup, c'était juste vite fait, histoire d'avoir un petit quelque chose. Voilà, vous voyez, hop. Une fois que le fer est chaud, tout de suite, ça va mieux. Donc après, je vais tourner ma vidéo, et puis après, bah, ça sera le retour d'Evan. Oh, d'ailleurs, en fait, en allant vérifier, je suis. Alors, le 11. Bah, lui, je l'ai. Ah, lui, celui-là. C'est mon dernier. Ah, celui-là, c'est celui que j'avais acheté. Donc, on va faire ça, supprimer. Je passe mon premier, je regarde mon autre. Alors, 13. Ah, celui-là, tu l'as pas. 13 et 14. 13 et 14. Oh, il est monté les prix. Ah oui! Oula, ça coûte cher! Non, non, il y a plein. Non, non! Ah. Non, ça, s'il y a d'autres choses dedans. Ah ouf! Parce que sinon, 117 euros seulement pour 2 livres! Non, non, mais tu sais. Ça doit être des mangas! Oui, non, ça, c'est cher. Hein. C'est juste que j'ai mis des petits trucs de brosse à dents, des machins.
qu'on aura demain du coup. Mmh. 11h38. Alors, tac, envoyer à cette adresse. Elise, roulement de roue, qu'il faut payer. Ils disent qu'on va recevoir ça. Ah non! Ah, recevez-le demain. Sinon, on recevait vendredi. Ah! Ah non, ça fait déjà plus mal. Ça va, ça y est, ça passe. Oui. Enfin, oui. Je vais quand même pas toucher. Oui, oui. Bon, ben voilà, comme ça. Tu reçois demain. Des nouveaux livres. Des nouveaux livres. Tu regarderas si on y va, si on va au cinéma aussi. Oui. Donc voilà comment se finit ma morning routine. Voilà, il va bientôt être midi, donc après je vais voir pour préparer à manger. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais demander à Evan ce qu'il a envie, tout simplement. Voilà, donc on va finir comme ça. Je vais encore m'occuper de lui. J'ai 2-3 de toutes ses affaires à ranger, etc. Ma lessive va m'occuper. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc à très bientôt. Ciao.